Le jackpot pour moi, c'était de trouver l'homme de ma vie. Il s'est passé combien de temps entre le moment où tu te lances justement à la chasse et le moment où tu rencontres Monsieur D Il s'est combien de temps Il m'écrit euh, sur le message « Qu'est-ce que tu en penses d'une rencontre ?» Alors là, ma vie a changé. Est-ce que quelque part, le fait qu'il s'occupait aussi bien de toi, ça t'a pas rendu quelque part dépendante financièrement de lui Il me dit « D'accord, pas de soucis, je t'envoie d'abord un million. » Au final, est-ce que tu cherchais l'amour ou tu cherchais l'Europe Ce jour-là, il m'a demandé à un mariage. Comme on voit dans les films, au mmh. bord de la mer, il se met à marcher plus vite, sa genou dans la main. Est-ce que tu veux m'épouser Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadougou, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du week-end d'écrivain. l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Une fois de plus, je suis ravi que tu nous retrouves pour un énième épisode sur notre chaîne Argent Livre, dans notre somptueux studio d'enregistrement de podcast baptisé. Ultimate Pod. Et aujourd'hui, l'idée pour nous c'est quoi C'est d'échanger avec une femme qui a un parcours de vie, une histoire de vie très inspirante. On va être loin de mes rucascas d'habitude là. On va être beaucoup plus calme. Je t'invite vivement à prendre des pop-corns à sortir les mouchoirs parce que ça va être une histoire à la fois émouvante et très instructive. Tu l'auras bien compris, on parlera de relations de couple, on parlera de divorce, mais surtout on parlera de développement personnel. C'est sur, surtout ça que je veux que tu retiennes. Tu vois un peu. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que si tu es du côté du Burkina Faso ou du Cameroun, on arrive très bientôt le 5 et le 6 août à Ouagadougou. Et le 30 novembre et le 1er décembre du côté de Yaoundé pour les troisième éditions du week-end de l'écrivain. Donc si jamais tu souhaites en savoir plus, tu as une seule chose à faire, c'est rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Et si jamais tu as envie d'avoir ce genre de rendu dans tes contenus que tu proposes sur les réseaux sociaux, eh bien... Une seule chose à faire, rendez-vous sur ultimateport.fr pour réserver cet espace et tu pourras bénéficier de nos trois plateaux disponibles. Maintenant que tout ceci est dit, on va tout de suite accueillir notre invité. Bonjour, Lydiane. Bonjour, Valère. Comment tu vas? Ça va. Ça va. <laughs> Je tiens à vous dire une chose, c'est que c'est la première fois que Lydiane se prête à un tel exercice. Ou du moins, comment elle s'appelle? Lily Charieux sur les réseaux sociaux. Lily Char. Lily Char, Donc, euh, voilà. C'est la première fois. Donc on, va être... on va essayer d'être un peu indulgents, mais on s'en fout. Tu vois, maintenant. <laughs> on tire à balle réel. Tu connais Elle n'avait qu'à pas qu être là. Maintenant qu'elle est là, elle doit assumer. En effet. Ok, comment tu préfères que je t'appelle Lily Char Lilienne Lilien, Comment tu préfères que je t'appelle Lily, euh, ça me va. Lily, ça te va très oui. bien. Ok, super. Bon, Lily, oui. euh, les commodités voudraient que. La politesse d'usage voudrait que ben, tu te présentes. Qui es-tu pour ce que tu découvres aujourd'hui Moi, je m'appelle euh, Lilienne Chariot. Je suis euh, maman divorcée, mm -hmm. mère d'une fille euh, adolescente. Je suis au jour d'aujourd'hui euh, fonctionnaire euh, et entrepreneur en même temps mm -hmm. et bientôt auteur. Ah, bientôt auteur d'un livre détonnant qui s'intitule Deux cultures, une séparation. Deux cultures, une séparation paru aux éditions Argent Livre. Il y a un bouton juste là en haut. Ben, si tu veux en savoir plus, Juste à cliquer sur le bouton ou sur le premier commentaire de cette vidéo. Donc, la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est parce que il ben, y a ton livre qui sort bientôt. En effet. Et au-delà de ça, moi, c'est surtout l'histoire de ta vie qui nous intéresse aujourd'hui parce que je suis sûr que ça inspirera beaucoup de gens. D'habitude, je fais une introduction sur la, la personne et tout, mais cette fois-ci, je vais te laisser nous raconter l'histoire. 46 ans, en tout cas, du moins à l'instant où on tourne cette vidéo. Oh oui. 46 ans, c'est ça? Oui. 46 ans, tu ne les fais pas du tout. <laughs> pas du tout. 46 ans et divorcé. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ceci s'est passé? Bon, euh, je vais dire euh, le début de mon histoire va de Yaoundé, où je vivais, la mm. capitale camerounaise, euh, en 2005. Oui. Où je fais la rencontre d'une copine qui me dit on y va là où je vais souvent passer du temps. Mm. Plus précisément pour ceux qui le savent, à Tako et à Yaoundé, en Rumbi, mm. c'est là où elle m'amène. Ce jour-là, elle m'apprend comment il faut ça faire. Je connais rien des engins et je n'arrive pas. Elle me dit ça va bien se passer. Mm. Et ce jour-là, je suis en contact avec une première personne du nom de Jacques qui m'appelle mm. et c'est là où tout est parti. Mm. Le son de la voix de ce monsieur résonne souvent dans mes oreilles parce mm -hmm. que c'est ça qui a déclenché tout. J'ai pris goût, j'ai dit pourquoi pas. La peur que j'avais, ça s'est arrêté et du coup tout est parti de là. Après un mois qu'elle a commencé à m'apprendre, moi-même j'ai pris goût, j'ai pris les règnes et j'ai décidé donc de changer de cyber où je suis allée me retrouver à Mimboman mm. et c'est là où tout est parti. Grâce à la rencontre d'une dame qui m'a dit ceci, ma fille bravo, mm. j'adore ce que tu fais. Au moins tu as de l'audace de faire ce que les autres trouvent que qui n'est pas bien. C'est ce que je dis souvent à mes nièces. C'est ça sa parole dit je vais t'aider. Mm. Lorsque quelqu'un croit en toi, quand tu es en train de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est tout bénéf. Mm. Elle m'apprend donc que il faut aller sur internet et que je dois aller sur un site de rencontre qui est qui fait ses preuves. Oui. Elle m'a fait des témoignages, elle m'a montré, je suis allée, elle m'a dit "Je t'amène, je te montre comment tu t'instruis. Le mieux est, ce, est que tu t'abonnes." Mm. Et comme tu ne peux pas payer l'abonnement, va te débrouiller avec. C'est doux. je ne laisse pas tous Les sites de rencontres que j'avais là, quand euh, tu essayais oui. partout, quoi, tu étais à oh, la chasse, quoi. oui, 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 okay. oui c'était vraiment la chasse. J'ai, <laughs> ouais. je, je suis nommé ça le PMU Ah, le, PM, <laughs> le PMU. Elle il faut dire ça, le PMU de Lily, <laughs> uh, oui, oui, PMU de Lily, c'est ouais. ça. Parce que j'ai dit là, je vais gagner mon jackpot là, ouais. un jour. C'était quoi pour toi, le jackpot? Le jackpot pour moi, c'était de trouver l'homme ouais. de ma vie. L'homme de ta vie, c'était forcément un blanc ou alors c'était l'homme de ta vie, peu importe, l'homme de faut. ma vie. Il Mais... fallait qu'ils soient en Europe ou il fallait qu'ils soient en Afrique C'était quoi le cas C'était qu vraiment qu'ils soient en Europe. Il fallait parce que, euh, oui, j'en avais des amas parce que j'ai connu euh, pas mal de déceptions. J'ai <laughs> oui. bouffé les déceptions amoureuses. Oui. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, s'il faut aller en Europe, c'est qu'on va trouver euh, l'homme qui va nous aimer tel qu'on est. D'accord. Pourquoi on n'allait pas chercher du côté de l'Asie, par exemple Ou du de... côté du Maghreb, ou même du côté, je ne sais pas, moi, de. de, de... Des États-Unis, s'il faut dire ça comme ça. Euh, les premières ambitions, euh, c'est de venir en Europe, tout simplement. L'Asie n'est pas tellement ce qu'on va d'abord dire, ah, je m'en vais en Asie. Ça elle dis... est trop loin. En fait, ah oui, oui, okay. si on va d'abord au niveau de la Méditerranée, on traverse, c'est déjà pas mal, après, la suite va suivre. Okay. C'est ainsi que je me mets dans... À... Elle, euh, elle m'apprend, elle me donne des leçons de vie. Oui. Elle me dit ceci, je vais t'apprendre de choisir, de savoir faire les triches sur Internet. Mm -hmm parce qu'il y a du bon et du mauvais. Mmh. Les vendeurs d'illusions et ceux qui sont vraiment en train de chercher. Oui. Les conseils-là ont été capital. Mmh. Et c'était quoi ces conseils, du coup? Premièrement, une personne sur Internet qui est là pour blaguer oui. va te parler du sexe. Mmh. Tout tournera sur le sexe. Rien à voir avec ta personnalité, cerner qui tu es et vice-versa. Mmh. Et la personne va te demander de te présenter en tenue d'Adam et d'Ève. Mmh. Et la personne après ne te parlera rien de bon à part ça, ça tournera sur ça. Tandis que celui qui veut vraiment, une femme qui cherche vraiment l'appellera, va s'intéresser à toi en tant que personne. Oui. Qui tu es, où tu vis, qu'est-ce que tu fais, quel est ton âge, quelles sont tes passions, les choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre en Afrique. Quoi. Et après, tu sauras, il ne te demandera rien à voir avec le sexe. Il te parlera de lui en retour mm -hmm. et voilà et tout partira de là ouais. et là c'est les premiers critères ces critères je les ai vus chez celui qui a été mon mari après mm -hmm. et c'est ainsi que je je me suis si prête... Mais que devient Jacques parce qu'en même temps tu m'as parlé de Jacques Jacques oui c'était juste la dernière fois que Jacques euh, m'a appelé cependant on découvre derrière que moi j'appelle Jacques au bout d'une semaine je tombe sur la femme de Jacques ah, et là tu te dis quoi Jacques est marié. Oui. J'ai dit, waouh, ça, c'est les vendeurs du Lusium. Oui. Qu'est-ce que je fais de lui J'abandonne. Je n'appelle plus. Mais cela ne m'empêche de continuer du mon quoi, aventure. Ah, bon, oui, je... <laughs> je chasse okay. au trésor et okay. j'ai dis, là, moi, j'aurai ce que je veux. Mm. Euh, après, je continue mon chemin à Mimboman. Je me mets donc à tchatcher sur ce site-là. Elle m'a fait, m'a dit, porte-moi une photo. Elle a payé. Elle a payé vraiment, je pense, que 2000 francs. Oui. C'est elle a payé, elle m'a dit maintenant, tu peux te débrouiller. Si tu veux, je sais qu'un moniteur peut te peut prendre. Peut te guider sur certaines choses. Oui, oui, mais 2000 par semaine, mais comme tu n'en as pas, débrouille-toi. Mm. Ça va. Elle m'a appris à pêcher. Oui. C'était ça l'essentiel. Et mm. moi, j'ai continué mon chemin. C'est là où tout était parti. Euh, je pense que nous étions au mois de. J'avais commencé l'Internet en, deux... en 2004, en décembre. Oui. Là, nous sommes au mois de janvier 2000, 2005. Elle me l'a dit, elle me met, je vais le vent comme ça. Je me mets donc chaque jour, j'ai une routine, mm. c'est une discipline. Ça, c'était déjà vraiment une discipline où je ne pouvais pas rater. Oui. Le matin, je vais au cyber le, et le soir. Entre temps, entre deux, ne me demande pas, parce qu'il faut que je cherche de l'argent. <laughs> Justement, il voulait te demander, mais où tu prenais tout cet argent? <laughs> ne me demande pas, comme une jeune fille, peut se débrouiller. Oui. Si je peux trouver un travail, mais comme c'était pas évident, oui. bon. Tu t'es débrouillé. Oui, voilà. <laughs> OK. La suite, plus tard. Oui. Donc, c'est là où je, je c'est comme ça que j'étais. 8 heures, mmh. j'étais déjà là-bas. C'était vraiment les oreilles, 8 à 9 heures. Il mmh. faut que j'ai déjà répondu au message, oui. flashé sur les personnes. Le ticket était à 500 francs. Et il fallait avoir un compte. Oui. Ou un compte épargne temps. Donc, il fallait que toujours que j'ai minimum 30 minutes. Parce De que, oui, pour répondre au message. Oui, répondre au message euh, oui, wow. le matin et, et le, le soir, soir, vraiment continuer à tchatcher, à flasher. C'est là où, vers le 20 janvier 2005, je flash sur M. D. Mmh. Non, c'est lui qui flash sur moi. Oui. Il flash et moi je réponds. Oui. Et c'est là où tout est parti. Mmh, D'accord. Euh, avant d'aller plus loin, donc ça, 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 il s'est passé combien de temps entre le moment où tu commences, que tu te lances justement à la chasse, le moment où tu rencontres Monsieur D. C'est passé combien de temps ah, C'est ça que je suis en train de te dire que la, la dame m'inscrit vers le 15 oui. sur internet. Oui. Et Vers le vent que je rencontre. Cinq jours. Oui. Ok, d'accord. Parce que ça marchait tellement vite, il y avait les gens, mais lui, il flash. C'est lui qui te rend en contact. Oui, oui, qui flash. Et moi, je réponds quoi oui. Je répondais vraiment à toutes euh, les personnes qui m'écrivaient ou oui. qui flashaient. Donc, il, me, il flash et je réponds. Mm -hmm. Le lendemain matin, je trouve l'épître de Paul aux Corinthiens. C'est-à-dire, la lettre était tellement longue. Oui. Où il a décliné son identité. Est il s'est présenté, oui. présenté son nom, son prénom, sa date de naissance, ce qu'il faisait, son statut matrimonial. Il a sorti tout le CV quoi. Tout. Oui. Et de ce qu'il cherche. Il me dit que bon, il apprécie la photo. Oui. Est-ce qu'on peut faire plus euh, ample connaissance? Oui. Waouh, pas béni et moi, j'ai répondu. J'ai essayé de, de faire comme il a fait. Oui, je mon et de... je me suis vraiment présentée. Et tout est parti de là. Mm -hmm. Et que ça se passe comment ensuite Lorsqu'il m'écrit et que je réponds, et je, je sens à l'intérieur de moi que ça. C'est le bon. C'est le bon. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le bon. Après, les échanges sont le soir, il m'écrit, et moi, je lis le matin. Parce que lui, il était responsable dans une grande boîte de oui. bateaux de plaisance. Mm -hmm. Après, donc, il partait au travail très tôt, il rentre le soir. C'est ainsi que, de fil en aiguë, on apprend à se connaître. « Parle-moi de ton pays. Parle-moi de ta famille. Parle-moi mm. de toi. Qu'est-ce que tu fais? As-tu des enfants? » Voilà, c'était comme ça. Et moi, voilà, ma famille, nous sommes ceci. Il se présente, j'ai deux enfants. C'était vraiment comme ça, on apprenait à se connaître. Nous sommes au mois de janvier, on finit le mois de janvier. Mi-février, il me dit « Je dois voyager pour le Maroc, oui. aller en vacances avec mes deux filles de, de Première Union. Mm. » ils, ils vont au Maroc. Alors là, j'ai trouvé que c'était une éternité. Deux semaines. Deux semaines, oui. c'était énorme. Et pendant ces deux semaines, tu fais quoi Pendant ces deux semaines, je ne m'arrête pas. Tu continues à chasser. Je, je continue tu ma en chasse Oui, <laughs> okay, on ne c est c est sait jamais quoi. <laughs> bon. Et je continue avec euh, tous ces sites basiques-là mm. et tous ces vendeurs d'illusions. Question de m'occuper, quoi. Oui. Lorsqu'il rentre, on est peut-être fin février, il m'appelle. Mm. C'est la première fois qu'il m'appelle au téléphone. Il dit, je voulais entendre ta voix. Tu m'as beaucoup manqué. Mm. Donc, j'ai dit, oui, moi aussi, tu m'as beaucoup manqué. C'était aux environs de minuit. Euh, J'habitais à côté de la prison de Kondengi. Ah oui, je, je me rappelle que j'étais dehors. C'était en quelle année, ça En 2005. Ah oui, moi aussi, j'habitais à Konigui. oui. Voilà. Mais tu habitais où à Konégi J'étais juste à côté de la prison, quand tu traverses la rue, quand tu montes vers mon bord. Wow <laughs> Ok, d'accord. <laughs> Donc là, je suis dehors avec hmm. mon petit frère, oui. On en non seulement le numéro par terre, parce qu'il de... <laughs> n'y avait tout plus de courant. Sans so blague il n'y a ah. plus de courant. Oui. Non, il, mon petit frère est en train de noter le numéro par terre. Ah, même sur le, le sol. Sur le sol, parce qu'on va voir le matin. Oh, vais... <laughs> on n'a pas passé. Dieu fait grâce, il oui. n'a pas plu. C'est là, on note le numéro parce qu'on n'a pas de courant. Oui. Il y a coupé de courant. Et vous ne pouvez pas prendre en photo parce qu'à ce moment, le téléphone n'a pas appris. Non, 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 c'était la choron. Oui, oui, le jeu. Ok. <laughs> oh, Donc, <'accord. rire> yeah. il y a. Après. Donc, vous notez par C'est que le lendemain, vous devez venir regarder. Voilà. Waouh. Wow, okay. En effet. <laughs> mon petit frère note. Ouais. Il dit c'est bon, oui. On était là. Même la... les agressions, on n'avait pas peur. Je pense. Oh. Même à minuit, hein, on était là-dedans. Il finit de noter. On finit de discuter. dit bon, je pense que je t'appellerai souvent les week-ends. Mm début mars on continue notre euh, vous échange. nos échanges vous nous quoi vers le 10 il m'écrit euh, qu'est-ce que tu tu le message qu'est-ce que tu en penses d'une rencontre mm. ah ouais. alors là ma vie a changé oui. elle a vraiment changé parce que j'ai dit waouh j'ai dit la rencontre mais elle est c'est une bonne chose qu'est-ce qu'il veut, vous il parle pas rencontre je me mets donc à répondre au message, une, une rencontre, ça veut dire quoi? C'est une bonne chose, mais mmh. la distance qui nous sépare, oui. elle est tellement énorme que comment on va se rencontrer? Il me répond donc le lendemain, parce que j'aimerais que tu voyages, mmh. tu viennes me voir et on apprend ce qu'on est. Tu vois la France aussi, si ça va te plaire, ainsi, moi derrière, un mois après, je, euh, tu viens faire moi et après moi, je viendrai aussi en retour pour voir ton pays. Oui. Waouh, Valère. Histoire camboulec, c'est mm. digne d'un film de roman. Mm. C'était tellement émouvant. Je suis passée par toutes les émotions. Mm. La joie. Je regarde, je dis non, c'est un rêve, c'est une réalité ou pas mm. Je dis donc comment est vers où je vais commencer Pour prendre les renseignements. Oui. Dans le cyber, je me souviens que je voyais les filles qui étaient déjà dans ça. Elle dit, on lui donnait des papiers, oui, voici ce qu'il faut faire. Je m'en vais donc au Cyber, je demande aux au gamins. Je vous ai vu, euh, ils me disent, oui, 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 mais on vend le bout de papier là, à qui est gratuit à l'ambassade oui. de France, à 500. Oui. Il oh, y a pas de souci, j'achète. Waouh. J'achète le bout de papier, je me mets à voir. Ils me disent, mais pourquoi Je dis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il dit, ah, c'est bien. Bah, on a déjà tout vu ici, mais voilà ce qu'il faut faire. Il ouais. m'a tout expliqué de A à Z. Là où je trouvais des sommes falamineuses, mm -hmm. 30 000 euros d'assurance, je dis Waouh Il dit Non, non, ne t'inquiète pas, tu vas faire ça à l'Axa Assurance. Voilà, c'était tout mm. détaillé. Je rentre donc, le lendemain, je, je scanne, je lui envoie ça, j'explique comme on m'a expliqué. Il dit D'accord, ça peut faire à peu près combien mm. Waouh Ça aussi, c'était une autre étape. Combien je ne sais pas. On essaie de planifier selon. Je me retourne aussi bien. Les gars m'expliquent ça. Ça peut te coûter à peu près ça. Je mets à vol d'oiseau avec les billets d'avion à 2 millions. Mmh. Il me dit d'accord, pas de souci. Je t'envoie d'abord 1 million. Mmh. À ce moment, je te dis quoi. Parce que j'imagine que c'est la première fois qu'on te je... parle de oui, oui, somme comme Oui, oui, je, je dis, euh, je ne sais pas là où je me suis rendue, oui. mais Dieu seul sait là où je vais atterrir. Parce que là, <laughs> un million de ouais. francs partis des zéro en 2005, c'est oui, énorme. Oui, oui, en 2005, un million. Il envoie. Quand il envoie, moi, dans ma tête, je ne sais pas par quel moyen il va envoyer. Il me dit mandat. Bon, mandat, donc je vais recevoir dans un euh, enveloppe. Oui. Et va... Non. C'était trois bouts de papier carrés, oui. comme des petits paperasses oui. de reçu. Oui, oui. Comme ça, là, 500, 500, 500. Waouh! Il me dit, donne-moi l'adresse. Je n'avais pas d'adresse. Laisse-moi de l'église. Oui. Je donne mon adresse de l'église. J'attends chaque euh, dimanche. Chaque jour de passer cette église, c'est une église charismatique. Oui. Donc, j'attendais, on, on était là les dimanches, on était les mercredis pour les prières, et moi, j'étais à la chorale. Mm. Les gospels, c'était ma passion. Oui. Donc, je suis là, j'attends. Ça dit, mes oreilles sont tellement aux aguets que j'attends seulement qu'on lise mon nom quelque mm. part. Ouais. Une semaine, rien. Je dis, oula, ma conscience commence à faire des heures supplémentaires. Mm. Je dis, non, mais il <laughs> y a quelque chose qui ne va pas. Je commence donc à me renseigner, les gens me disent, ah, fais attention qu'on ne te pique pas tes, tes, tes mandats. Mm. Je euh, il me rappelle, parce qu'il m'appelait déjà chaque soir, je lui dis, voici ce qu'on m'a dit, tu peux, euh, désormais, tu vas envoyer l'argent à West Union. Je ne connais même pas West Union, je dis ça comme ça. <laughs> West -Aignan. On m'a dit, tu vas dans un... Dans ma... Un point West Union. Oui, 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 oui euh, à la poste. Oui. De là où tu es, West Union. Et tu envoies, et comme ça, tu, mon nom, il y a un code et tout. Oui, oui. Et il dit oui. Euh, « Répète-moi bien ce que tu as dit là. » Je réécris. Donc, il va dans la poste en attendant les 1 million. Il dit comme ça parce que la priorité pour lui, c'était de faire le passeport. Oui, bien sûr. Donc, il me dit, « Je vais aller voir ça. Mmh. » Il va donc, il m'envoie 400 euros, mmh. 262 000 francs CFA. Oui. Je ne peux pas oublier la somme-là. Il me dit, « hein tu fais ton passeport. » Je lui avais dit, « Le passeport coûte 100 000 francs maximum parce que le timbre était à 50 000. » Plus, euh, le reste qu'on connaît, voilà. Et j il me dit, comme ça, tu achètes aussi un téléphone mieux. Mm -hmm, Est-ce que ça va aller? Et si c'est pas assez, tu me dis, waouh! Je dis, non, je pense que là, c'est largement suffisant. Je, je reçois l'argent aussitôt qu'il m'envoie, mm. waouh, c'est parti. J'achète le téléphone. Lorsque je m'avais renseigné pour le, le passeport, je croise une dame, comme par hasard. On sympathise après, elle me dit Ah oui, tu es très jeune, tu as l'air euh, ambitieuse, j'aime les oui. petites comme ça, là. <laughs> Donc, quand tu viendras faire, euh, viens me voir après. La dame me dit ah, Oui, d'accord, ça coûte combien La dame me dit 50 000 temples, mais bon, tu sais, il y a d'autres choses. On dit Viens me voir. Je reviens le lendemain avec, euh, je vois la dame, elle me dit Elle va voir son boss, le commissaire. Le commissaire lui dit par en dialecte, lui dit euh, Donc voilà. Euh, Qu'elle te donne 70 000 et demain, vient revient par son oui, passeport. Histoire vraie. Mm. Je ne croyais même pas du tout. <laughs> je donne 70 000, moi, je rentre. Trois jours après, euh, non, le lendemain, on m'appelle, mon passeport était déjà là. Donc, tout est wow. déclenché. Trois jours après, je re reçois les mandats. Mm. On m'appelle à l'église lors de la prière. Euh, Lydienne Diba, mon nom de famille, trois courriers. Ben, je m'en vais, je m'attends en oui, à des Oui, bien sûr. On me donne des papiers comme ça, 500-500. Je reste la bouche ouverte. Ce sont ces papiers-là, largent <laughs> Tout ce que j'attends, là, c'est oui, les papiers-là. Ah papiers. <laughs> oh non. Mais ben, je n'y croyais pas, je n'y oui. croyais pas. Je mets dans ma, ma petite poche. Le lendemain matin, je suis à la poste centrale à oui. Mahon. Tac, 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 j'arrive, il y a du monde. Bon, je me présente. J'étais tellement fine là, oui. toute petite. Et je dis, j'ai besoin de prendre de l'argent, le mandat. Oui. Je pose sur la table, je vois la dame qui ouvre d'abord la bouche et dit euh, C'est comme si mais elle rêve ou quoi Elle dit Mais on n'aura pas assez d'argent pour ça. Hein? Un million, ça fait. C'est beaucoup. Euh... J'entends quelqu'un derrière qui dit Non, 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 il y a de l'argent. Le monsieur me dit Donc, entrez là, mmh. par une porte. On très entre bien. dans l'arrière de la chambre. Ah oui. oh là là, nickel. Il se met à compter les liasses. Mmh. Des des don, 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 argent. Il me fait. 998 000 francs CFA, 1500 500 euros. Oui. Tellement j'étais fière et que je disais, ce monsieur, j'ai pris 5000 000, rien de m'en Prenez. Non, il y a encore reste. des personnes correctes au, au Cameroun. Hein. Wow, il y en oui. a encore beaucoup. J'ai rencontré quelqu'un en, en 2022. Bref, c'est pas le sujet. Oui, vas-y. Donc, je prends cet argent. J'ai un petit sac qui ne se ferme pas. J'habite à, à côté de euh, la prison. Je <laughs> mets dedans, de la poste centrale oui. jusqu'à chez moi. à marché. pied je dis, parce que l'odeur, m'a il Quelque part, il faut que je quitte d'abord les choses. Non, non, voilà, je ouais. rentre à la maison. J'appelle donc euh, un ami avec qui... Euh, qui m'a organisé mon mariage plus tard. Je lui dis, bon, à nous, les sous sont tombés. Mm -hmm. Donc, voilà, pour le voyage. Il me dit, oui, tu es où? Donne-moi ta position. Je lui donne la position. Je lui remets 900 000. Mm. Moi, je reste avec 98 000 francs. Tu... C'est là où le, le dossier a commencé. Mm. J'ai commencé à faire les papiers. J'avais déjà la carte d'identité. Oui. J'ai déjà le passeport. J'entame le reste. Le jour, euh, je, je lui dis l'évolution du dossier. Oui, oui, bien et je, bien évidemment, que je, je lui ai parlé que ça risque d'être compliqué pour avoir le visa. Oui. Parce que c'est pas évident ici. Il me dit Bon, on en est entamé, on y va. Mm. J'arrive donc, je fais tous les documents. Le jour que je dois les déposer, la demande de visa, et je sais qu'à l'ambassade, il faut être... Oui. Et pour être reçu parmi les premiers, oui. je suis avec mon cadet qui me dit, je te vois avec la trouille. Je vais aller vers mm -hmm. 4 heures. Tu vas me suivre vers 7 heures. Mm. Pour que quand on va ouvrir l'ambassade, on ouvre vers 8 heures. Oui, que, tu sois, que oui. tu sois déjà là. Avancé, oui. Voilà. On finit donc. On peut, je sors tous les documents parce que c'était accroché. Dans la chambre, je sors tous les documents, je commence donc à mettre par ordre les, les, les originaux. Mais bizarrement, tu as un passeport qui est international, on te demandait encore la carte nationale d'identité, mmh. pas le récépissé. Je mets tout. Au niveau de la carte, il n'y a plus de carte. Wow. Là, ça prend encore une autre tournure. Là, je dis. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on mais oui, est-ce que je ne suis pas vendue quelque part? Parce que là, ma vie a changé. Oui. Entre-temps, c'est quelqu'un qui s'occupait déjà. J'avais 300 euros chaque mois. Chaque mois. Mmh. Est-ce que quelque part, le fait qu'il s'occupait aussi bien de toi, pas, ça t'a pas rendu quelque part dépendante financièrement de lui? Si. Quel... Ah, voilà. Si, si, si. Parce que le, le fait de quitter de zéro à là, je pouvais avoir, parce qu'il a amélioré mes conditions de le vie, parce que sûr. pour arriver là, il me dit, la, la maison peut coûter combien oui. Qu'est-ce qu'il te faut en calcule. studio Voilà, euh, un T2, il parle d'un T2, T3, mm -hmm. je ne capte rien, rien. <laughs> mais bon, <laughs> on essaie de oui. faire avec. Et il me dit, je, je lui dis des prix, et il me dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'il te faut dans la maison et autres, quoi. Donc, je, il me met dans les conditions pour vivre mieux, mm. je me mets, ma vie, ma vie a changé, ouais. ça se voyait, quoi. Mais mes tenues vestimentaires j'étais devenue pimpante, coquette, oui. la classe quoi. La classe. <laughs> je respirais de l'air pur. Oui. Donc, je... on, on s'en va donc à l'ambassade pour déposer le dossier. Je n'ai pas ma carte d'identité. Mm. Là, je commence à, à dire, j je suis passée par toutes les émotions, pleurer, bleu, crier, invoquer <laughs> mes insectes. J'ai pleuré. Je les invoquais tous mes grands-parents qui étaient déjà oui. morts. J'ai dit, est-ce que vous voyez? Vous voyez ma souffrance, vous voulez que je rentre encore là-dedans. J'ai commencé à regarder mon cadet, mon frère et ma petite soeur, mm. la plus jeune qui était là, qui avait 10 ans. Elles sont ils se sont regardés, et me disaient Est-ce que tu es su qu'on peut te faire ça On a vu de là où on est quitté, une chambre mm. à être là. Est-ce que véritablement, ma petite soeur qui a 10 ans dit Est-ce que moi je peux même grimper jusque-là Il me faut un tabouret et mon petit frère me dit Hi depuis que notre vie a changé, on mange trois fois par jour. Mm. Qu'est-ce qu'on va faire avec J'ai dit oui, quelque part, ils n'ont pas tort. On a fouillé la chambre au sens sous de dessous J'ai ah. pleuré. Je suis quittée à avoir mal à la tête. J'ai commencé à, à... Je suis tombée malade. Ah oui. À le de la carte d'identité. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à ce monsieur Et je me souviens ce jour-là, c'est le jour où le pape Jean-Paul II est mort. Mm. C'était vraiment. Je peux pas oublier ce jour-là parce que là, je me, je me dis, le papa est parti euh, avec mon, mon, ma carte d'identité. Donc, mm. bon, c'est une divinité. Peut-être que c'est un bon présage. On verra. Oui. Donc, du coup, euh, le lendemain, mon petit frère prend des chemins que tu peux, tu peux comprendre. Un peu tordu. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. J'ai dit, on t'a dit, on t'a dit. Sauf que je n'ai pas ma carte. Mm. C'est ça le problème. Et je ne peux pas la voir dans un jour-là. J'attends dans son appel. Je me mets à crier quand il m'appelle le soir. Je dis, waouh! Je crie, je crie. Il me dit, il se calme, il était très calme. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Tu m'avais pourtant dit que, parce que j'ai menti, j'ai dit que je n'ai pas, oui, pas eu le visa. Pourquoi tu pleures? Tu m'avais pourtant dit que c'est difficile. Mm. Ne pleure pas, calme-toi, ma chérie. Je viens moi-même là-bas. Mm. Nous sommes au mois d'avril 2005, au mois de juin. Deux mois après, il était là. Il a fait le nécessaire, avoir les euh, chercher, les, euh, avoir des vacances. Oui. Il me dit, ce sera pas long mais ce sera ou cool. dix jours, du dix euh, juin, euh, non, du 8 juin au 18 juin. Oh. On était à l'hôtel Prestige, j'ai tout préparé. Je suis, je me suis préparée à tout. À la fin, on était déjà à vivre à la maison. Il m'a dit, mais oui, pourquoi on n'est pas rester ici? Mmh. C'est même plus sympa. Oui. Donc, je faisais à manger là-bas et on partait. Euh... Oui, oui, oui. Après, on a passé du temps. il voulait voir le club Yannick Noir. Mmh. C'était Yannick Noir, c'était Yannick Noir. Il, euh, on est parti à Tribi, chute de la Lobé, manger les gambas au bord avec mmh. les Maléas. C'était de, de rêve, quoi, entre oh, <laughs> C'était vraiment l'apothéose, le au succès total. Mmh. C'est là où euh, le jour-là, il m'a demandé un mariage, comme on voit dans les films, au bord mmh. de la mer. Il se met à marcher plus vite, il genou dans la main. Est-ce que tu veux m'épouser? Tellement j'étais ébahie, j'ai dit, ah, je ne m'attendais pas à ça du tout. Il me dit, je sais que ça va vite, mais tu es la femme de ma vie. Mm. Celle que j'ai toujours rêvée. Tu es authentique, originale, tu es toi. Donc voilà. Sans toutefois hésiter, j'ai dit oui. Mm -hmm. Pourquoi pas? Il sait, attends, entre le moment où vous vous rencontrez, le moment où tu demandes demande un mariage, ça fait, il pas combien, trois mois. Oui, je euh, trois mois parce qu'on s'est rencontrés en janvier. Ouais. Euh, non, euh, oui, il vient au Cameroun en, en juin. En juin, ça fait six, six, six mois. Wow. Six mois. Donc, euh, pour la petite histoire, ça n'a pas fait un an, on était déjà mariés. Mm. Quand un an arrivait, euh, j'avais déjà ma, ma transcription pour l'Europe. Waouh. Et moi, ce que je, je voulais savoir, Et du coup, ta carte, finalement, tu l'as pu retrouver? Je n'ai pas retrouvé ma carte. Oui. Donc, euh, j'ai eu le temps de refaire, de une, refaire autre une autre carte. Refait. Oui, je n'ai pas retrouvé ma carte. Du moment où il m'a dit, moi, je viens. Bon ça va, mm. la vie continue. Bien sûr. Feu à volonté. Ouais. Donc il est venu donc dix jours intenses, mais très bien. Ça passe très vite. Il est parti. Avant d'aller à, à, à retourner en France, euh, nous sommes rendus à l'ambassade de France, commencer les modalités mm. et tout ce qu'il fallait. Moi j'ai continué, lui il a il a, il a il a fait le nécessaire en France. Au bout, en août on pouvait se marier en août mais sauf que c'était la période où il fallait préparer les enfants oui. les gars d'alterner oui, oui, oui. il me dit on va le faire dans les vacances de la Toussaint pour que j'amène mes deux filles elles doivent être là c'est ma famille bon entre-temps, le mariage continuait j'étais déjà fiancée oui. j'étais bien jusqu'à ce que je me suis mariée il m'a dotée parce que mon père avait posé une condition en disant euh, moi tu connais chez nous chez les Bantous les Bétis en général mm -hmm. C'est le village doit manger. Oui. Moi, je ne rentre pas sur Yaoundé sans avoir donné de quoi manger à tous les villages qui m'attendent. Donc, il a fait le nécessaire, le symbolique, quoi. Bien qu'à l'ambassade, on m'a demandé de rembourser. Pas quoi On m'a demandé de rembourser. Rembourser quoi Le rembourser. La dot Oui, oui, de rembourser. Comment pourquoi? La dot. Parce que lors de l'interrogatoire, pour la petite histoire, euh, on lui pose les questions. C'est chacun oui. de son côté. Et il, il le dit. Ah, donc, À la fond ah oui, du arbre, d'accord, mais non, ça, vous n'avez pas droit parce que ça c'est vendre, euh, mais vendre ils vendent euh, leurs enfants. Euh, c'est quoi le problème? Donc, vous allez, elle va vous rembourser votre argent. Je dis, bon, oui, c'est n'importe quoi. Après, quand on était ensemble, je lui ai dit, entre mari et femme, il n'y a pas de dette. Oui, c'est sûr, mais, est... mais quand il disait rembourser, c'était quoi? C'était la condition pour que vous vous mariez? Non non non, que, que, non, 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 c'était que je devais rembourser, ah, il y avait pas... Dit, bon, ouais, pff, oui, oui, je devais quoi. rembourser, oui. donc je lui ai dit à la maison, il n'y a pas de dette entre mari et femme. Mm. Donc voilà, et après, on s'est mariés, on s'est marié le 29 octobre 2005, d'accord à Yaoundé 5e. Mais il se passe quoi lorsque, lorsque, lorsque tu apprends que tu vas te marier, lorsque ton entourage, notamment à l'église, il découvre que tu vas te marier, comment ça se passe à l'église du coup <laughs> Ah oui... Ma vie a des étapes. L'étape oui. là, c'était l'étape où euh, tout le monde est au courant, oui. parce que j'ai caché au départ. Oui. Même ma famille ne savait pas que j'étais dans la correspondance. Pourquoi Pourquoi tu cachais J'ai caché tout simplement parce que lorsque la, le bonheur arrive, la misère, les gens aiment te voir dans la misère, mmh. moisir, mais lorsque l'étoile brille... Oui. C'est là où tu rencontres toutes les difficultés et tu mmh. vois les vrais visages des gens. Oui. J'ai dit, je ne dis pas d'abord à mes parents, je cache ça à Yaoundé, même dans, pendant son séjour, mais comme on ne peut pas cacher ce qui brille. Mmh. La lampe brille déjà, mmh. elle va briller partout. Oui. Donc les gens ont été au courant. Même pour préparer mon mariage, j'ai fait avec des gens à qui je ne suis pas parenté Parce que ma famille, euh, lorsque j'ai dit ça à un oncle, un petit frère, à ma mère, qui m'aide à préparer, il n'a pas cru. Mmh. Il n'a pas cru, mais à la fin j'avais toute la famille derrière mon dos parce que j'ai pas, j'ai pas dit à tout le monde quoi. Donc quand je cache euh, cela, c'est voilà pourquoi je, je dis euh, à la fin que bon la famille parfois ça peut arriver que on ne dit pas tout à la famille, mais j'ai géré ça après ouais. euh, tout ce qui a, qui a eu comme problème après. Euh, je suis donc, euh, j'ai fini dans ce mariage, fini, on finit donc de, de nous marier à l'église, donc entre-temps, non, je, entre-temps même, je suis déjà fiancée, oui. j'ai déjà la bague de fiançailles, dont les gens savent que j'ai déjà un fiancé. Oui, au oui. Ça commence, j'étais censeur de la chorale et j'étais secrétaire. Oui. Justement, de, des filles qui étaient avec moi, ai... bizarre. Mm. Jusqu'à un jour, euh, on était à, en pleine répétition. Euh, une qui dit, euh, toi, c'est le pain béni. Tout ce que tu dis ici, là, les gens t'obéissent à la lettre. C'est pas parce qu'on est fiancé à un Européen qu'on va venir parler aux autres. Oui. Donc, elle s'est vraiment énervée. Et tu vas voir ici, on va te rendre la vie difficile. Mm. Bon, j'ai pas... On pas... est là, on est à l'église. On est à l'église, oui, devant les gens. On est gens on répète. Qui ça. Oui, oui, okay. les chorororistes. Le président de la chorale me dit donc, mais non, les comportements comme ça ne sont pas bien. Ici, là, au, au lieu d'être comme ça, il faut être contente pour elle. C'est tout. le rêve de tout un chacun ici. Au moins, c'est son notion. Peut-être on va, chacun de nous peut l'apprendre. Si ça continue comme ça, vous serez au conseil de discipline, la session, quoi. Oui. C'est là où mon calvaire commence. Comment ça? Le calvaire commence donc, je dis, euh, je commence à voir que ça ne va pas s'arrêter que là. Je me... Remets sur moi-même, euh, je commence donc à faire attention. Je dis euh, que euh, il faut faire que je, les comportements sont vraiment pour me montrer que oh oui, on va te faire ça dur et sûr. Mm. Et quand je voyais que tout le monde se prêtait à ce jeu, je n'avais que les gars qui étaient avec moi. De ton côté oui. Oui, je commençais vraiment à marcher plus avec les gars et à être avec eux jusqu'à ce que une des choristes se mette en couple avec mon cadet. Mm -hmm. Mon petit frère. Oui pour mieux être pour mieux espionner quoi. Oui, avoir les informations oui. qu'il faut et me mettre vraiment les bâtons sur les roues. Et, les et roues. là je, je réalise que waouh me mettre les bâtons dans les rues à ce les, point. les roues à, à ce point qu qu'est-ce wow. oui. oui, il y avait jalousie, il y avait complexe, il y avait tout tout ce qui partait avec quoi. Donc elle se met en couple, je trouve ça étonnant. Avant mon mariage, je décide donc d'aller louer une chambre à la à la comment dire à la, à la descente de Bonamoussadi oui. le, le, à l'université de Yaoundé deux de, de, de Yaoundé a, en je dis je m'en vais rester là bas oui mon esprit m'a dit va va rester là où tu seras personne ne saura je m'en vais rester je les laisse là ce qui fait que toutes les informations mon petit frère avait tout mm -hmm. il a pris le numéro de mon conjoint il a pris elle a, pris, elle, a pris, elle a pris le numéro elle avait les infos L'adresse postale, tout. tout, elle donne à ses copines. Mm -hmm. Ils vendent un jour à l'autre à une fille, une inconnue, qui se met donc à correspondre. Avec... À, 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 mon, à mon... Monsieur D. Oui, à Monsieur D. Il, il appelle, la, 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 la dame l'appelle. Il, il fait que me dit qu'il y a un numéro du Cameroun qui m'appelle. Je ne sais pas qui. Je n'ai pas donné le, mon numéro à quelqu'un. Est-ce que tu as donné mon numéro à quelqu'un? Je dis non. Moi, je, à ma connaissance, Non. Je demande à mon petit frère, il me dit « Non, non, je ne je l'appelle pas, c'est lui qui m'appelle souvent, donc moi, mmh. je ne l'appelle pas. » Donc, c'était cette euh, dame. Donc, quand ils mettent le plan en place, c'est pour qu'elle vienne soutirer des informations. J'ai trouvé ça bizarre. Elle s'est mise avec ton frère pour pouvoir mieux t'exponer, avoir son numéro pour te mettre les bâtons dans les roues. Wow. Voilà. c'est très... On dirait un film, quoi. Oui, on dirait un film. Donc, euh, après le mariage, donc moi, je les laisse alors. Mmh. Moi, après le mariage, je n'ai fait qu'un mois et demi. Au Cameroun, je dirais, on s'est marié en octobre. En décembre, euh, le 23 décembre, j'avais la transcription, oui. Et lui il voulait que je voyage le lendemain. Wow. <laughs> que je viens de passer euh, les, les fêtes de, 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 Noël de Noël directement en, en France. France. Oui. Quand j'ai vu mon visa, j'ai dit non, j'ai commencé à réaliser que c'était fini. Une autre étape de ma vie va commencer. Oui. Ça faisait mal la rupture, j'avais mal d'abandonner mes racines, frères, oui. ma famille. Tout. en même temps ma maman se consacrait à ancienne d'église au village une semaine avant mmh. j'ai dit waouh bon attends tu étais choriste oui donc moi j'ai envie que tu nous fasses une petite mélodie là d'abord parce que là là tu étais choriste je dis que c'est ta passion dis-moi que tu nous fasses une petite mélodie là je pense que tous les membres de la communauté ont envie d'écouter ça. Il faut que tu nous fasses un truc là d'abord. Une minute. Donc il faut, prépare-nous une bonne petite chanson de la coura là. Tu connais celle que tu as chanté tout à l'heure là. C'est une bonne musique en plus. Non, on veut écouter ça. Prépare-toi, prépare-toi. Il faut que tu nous fasses ça. on attend, on attend. Nous avons eu de la force, nous avons eu de la force

En tout cas, merci. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. C'est Très, très longtemps. Donc, euh, ça nous rappelle euh, le pays. OK. Merci beaucoup, euh, Lily pour ces ce petits moments de rafraîchissement. Donc, euh, avant que tu ne prennes l'avion, de tout ce qui a pu se passer à l'église et tout. Et donc, quelle est la leçon que tu as pu tirer de tout ça, de tout ce parcours-là, de tout ce qui a pu se passer pendant ce temps? La leçon que j'ai retenue et que je peux dire à à ceux qui me suivent, c'est tout simplement que, premièrement, lorsqu'on galère, on galère pour tout le monde, mais lorsqu'il y a le succès, on galère pour nous, et lorsqu'il y a le succès, le succès est collectif. Est-ce que tu peux bien reprendre ce que tu as dit là? <laughs> c'est que lorsqu'on galère, tout le monde aimerait nous voir galérer et voir comment on souffre, mais lorsqu'il y a le succès, il y a le, la lampe qui brille, l'étoile, le moment est venu. De, de vivre aussi notre destin. Alors là, on a tout le monde derrière et j'ai envie de dire que s'il faut cacher sa vie, il faut faire très attention lorsqu'on a des projets en cours. La galère, on galère seul, oui. mais le succès est collectif. Tout à fait. D'ailleurs, on dit souvent que le succès a plusieurs mères ou pères à chaque fois. <laughs> ok, super. Donc, ok. Euh, tu as eu ton visa? Non, la suite c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon visa. Avant les fêtes de Noël, euh, je dois voyager. Il me dit non, tu me manques. J'ai besoin que tu voyages. Mmh. Et là, je me rends compte que non. Là, le cordon ombilical sera coupé. Il faut que je quitte. Je dis non, c'est pas possible. J'ai tellement envie de rester, de, de vivre la consécration de ma mère. Mmh. Mais en même temps, la pression, elle dit, non, il faut que tu voyages, il faut que tu voyages. Je dis, bon, je vais donc voyager. Je voyage pour la France, j'atterris à Roissy-Charles de Gaulle, terminal 2F, j'oublierai jamais, à 6h30, le 14 janvier 2005. Non, avant d'aller plus loin, il y a un truc que j'ai lu dans ton livre, sur lequel je suis obligé, obligé d'insister. Dans ton livre, tu as écrit un truc comme quoi euh, L'église dans laquelle tu étais c'est une église à laquelle, ce qui t'a attiré là-bas, c'est le fait que les pasteurs priaient pour les femmes qui voulaient épouser un blanc-poil en Europe. C'était ça? En effet. En effet. Mais c'est quoi le délire? Non, non, c'est une église charismatique, je suis encore, bon, voilà. C'est quoi, c'est une église réveillée? Non, 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 l'église presbytérienne. OK, d'accord. Mmh. Oui, voilà. Euh, C'était vraiment la tendance, là, que les gens faisaient pas mal de correspondances et lorsqu'on priait, les gens, ça réussissait. Mmh. Moi, je me suis prêtée aussi au jeu, c'est doux. Ma copine, là, elle m'amène là-dedans parce qu'elle me dit, ben oui, pourquoi pas nous aussi, on va essayer comme tout le reste fait. Et c'est comme ça que ça se faisait. Mais j'avoue que moi, je n'ai pas, je ne priais pas. Oui. Je ne priais pas pour avoir un blanc ou oui. avoir le mariage. Je disais, avec mon brevet des collèges, vu que je, je me suis arrêtée en première, oui. le promoteur m'a sonné, je dis, avec mon BPC, je vais peut-être aller à la police parce que il oui, faut dire oui, oui, oui. ma passion, euh, mon métier de cœur a toujours été militaire, Milita infirmière dans l'armée. Ah oui, d'accord, ok, ok, ça a toujours précis, été ça. ça. C'est parti du moment où le, la catastrophe d'un Sam et Fulan, mm. j'ai vu comment les gens mouraient, j'ai vu ça. Le camion et qui euh, qui avait brûlé. Oui, 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 qui avait le cabouin. J'ai toujours dit, je serai. Infirmière dans l'armée, mmh. dont recevoir les gens, les soigner, mais jamais aller là-bas. Mais moi, je soigne <laughs> ici. Et donc, voilà, ça a toujours été ça, le métier. Donc, voilà la, la parenthèse quoi. Aussi. Et selon toi, la prière pour avoir un blanc, c'est quelque chose qui marche C'est pas la prière pour avoir un blanc, mmh. je dirais toute la prière pour avoir quelque chose lorsque mmh. tu as la foi. Mmh. Mais là, c'était la tendance que les gens étaient en train de faire beaucoup de correspondances et mmh. que ça marchait. Oui. Dès que tu arrivais, c'était de bouche en rêve. te dit, ah ben bah, oui, les gens là-bas, euh, oui, telle personne a eu un blanc. Mais tu te, te prêtais au jeu et tu partais et c'était comme ça. Donc quand elle m'a amené, je dis, bon, pourquoi pas Elle me dit, nous aussi, allons-y, on va voir quoi. Et qu'est-ce qu'elle est devenue ta copine qui t'avait amené justement aussi belle Elle est toujours euh, au Cameroun. Euh, c'est une personne qui a une belle voix, mm -hmm. qui, est dans les gospels, elle est vraiment, euh, je vais taire son nom, elle est tellement connue, mm -hmm. mais elle est toujours là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et du coup, vous êtes resté en contact Non, dommage, on n'est pas resté en contact, mais c'est une personne que je porte en lettre dans mon cœur. Mm -hmm. Ok, ok, d'accord. Ok, donc, tu es en Europe Oui. Tu à Charles de Gaulle. J'atterris à Charles de Gaulle. Il fait moins de degrés. Et en décembre. <laughs> oui, je suis à un bien décolté, décolleté, un petit ah. pull. Ah bonjour, l'Europe. au revoir l'Afrique. Ah là, ça me dit bonjour. Mais dans bah, l'avion, d'abord, l'étape de l'avion, quand tu prends l'avion, comment je te sens dedans je Dans l'avion, la euh, déjà, quand je monte, euh, tu vois, en simaleine, quand je monte ces escaliers roulants-là, je dis Waouh, je me mets. Au-dessus, quand j'arrive, je regarde tout. J'ai dit, waouh, c'est vrai. <laughs> Comme à la télé. Comme à la télé, c'est fini là. <laughs> Mon pays, désormais, je viendrai que pour me balader. Mm. Je m'en vais pour d'autres horizons désormais. Je... Oui, vas-y, vas-y. Je m'en vais avec beaucoup de nostalgie. Je suis, je suis très triste. Il mm. faut le dire. J'ai les larmes aux yeux. Je... je pense très fort à ma mère, de sa souffrance. Je pense très fort à mon père. Je dis toute la famille compte sur moi. Mmh, D'accord. Et donc, euh, est-ce qu'à l'instant où tu as ton visage, tu, tu, es, tu, es tu es au niveau de l'escalator, tu es en train de monter pour aller prendre l'avion, est-ce que tu as l'impression que tu es en train de réussir ta vie euh, J'ai envie de dire, je n'ai pas pensé à ça. Mmh. Si j'ai réussis, j'ai juste dit, mais... j'étais comme si j'étais dans un rêve, mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que c'est vrai le rêve est devenu réalité. Dans ton rêve, c'était quoi D'aller en Europe de... ou alors d'être avec un Européen D'aller en Europe. C'est ça, ton rêve Il faut dire la vérité. D'accord. Est-ce que pour toi, être avec, trouver M. D, c'était pour toi comme un, une porte d'entrée en Europe Oui. D'accord. Est-ce que du coup, c'est ce n'est pas vicieux, ça Je veux dire, au final, est-ce que tu cherchais l'amour ou tu cherchais l'Europe euh, c'est une très bonne question, mm -hmm. parce que je pense que euh, plus tard, je l'ai compris. Mm. J'ai compris ça comme ça que quand j'ai commencé à faire mon introspection par rapport à, à, à mon mariage, oui. à mon divorce, oui. c'est là où j'ai fait la genèse. Oui. Et là, je me suis rendue la solitude, la solitude à des vertus, parce que je me suis dit, Lily, qu'est-ce que tu es venue faire en Europe? Mm. Quels étaient tes objectifs? Mm. Pourquoi tu es parti du Cameroun Soit en étant toi-même. Oui. Et j'ai répondu à la question. Oui, je suis venu chercher ma vie. Et le mariage, est-ce que tu as réfléchi mariage Non, tu as eu les deux en une seule fois. D'accord. Et quand je me rends compte que non, les objectifs n'étaient pas le mariage, c'était programmé pour divorcer. Hmm, d'accord. Et si Monsieur D. avait été un Africain qui vivait en Europe, est-ce que tu aurais eu la même réaction? Est-ce que tu aurais dit oui aussi facilement? Je pense que oui. Mm. Je pense que oui, le fait de, de venir en Europe, comme je l'ai dit, je, je suis honnête avec moi-même, mm. le fait de venir en Europe, oui, j'allais dire oui. D'accord. Parce que c'était un moyen de traverser, d'atteindre mon objectif qui était de venir et aussi sortir ma famille de la précarité. D'accord. Mais du coup... Monsieur D pourrait se sentir euh, abusé puisque s'il lui dit qu'il vient lui épouser parce qu'il est amoureux de toi et toi c'est juste tu le vois juste comme un moyen d'atteindre tes objectifs est-ce que ce n'est pas comment dire mesquin en effet c'est ouais. mesquin mais inconsciemment c'était ça mm. parce que quand je venais euh, c'est pour ça qu'en me posant des bonnes questions j'ai répondu à cette question et je le dis euh, ici là plus fort à qui veut l'entendre, parce que, il faut, faut être honnête, mm -hmm. euh, que euh, après l'introspection m'a permis de comprendre que oui, inconsciemment, c'était ça, c'était mesquin, mais je l'aimais. Mais sauf que je n'ai pas réfléchi. Tu l'aimais ou tu aimais la vie que tu pensais qu'il pouvait t'offrir? Il euh, y a eu les deux à l'après. Il y a eu les deux après, euh, je, je l'aimais, et la vie qui pouvait m'offrir après, je me suis rendu compte, mais sauf que je n'ai pas privilégié. Mmh. Ce que je devais privilégier, qui était prioritaire, mmh. c'est d'abord mes objectifs et mon intention, ça a pris le dessus. Mmh. D'accord. Et, et de ce que tu vois aujourd'hui, dans la majorité des filles qui vont sur les réseaux Internet, les réseaux sociaux, pour trouver un blanc, je vais dire ça comme ça, euh, selon toi, elles vont plus pour trouver le blanc parce que le blanc va leur permettre de, de venir en Europe, ou alors elles cherchent le blanc parce qu'elles veulent vraiment se mettre en couple avec un blanc. Il y a des deux. Il y a les deux. Mmh. Elles veulent se mettre en couple avec un blanc ou euh, le blanc va les aider à vivre la vie de bonheur qu'elles veulent euh, ou traverser pour venir en Europe. Je, je le dis, c'est vrai. Mmh. Parce avez... qu'on oui, qu voit pas mal euh, de témoignages, on voit ce qui se passe ici. Mmh. Si moi, j'ai fait 16 ans de mariage, mmh. c'est parce qu'en arri arrivé là, je, je, l'amour était là. Mmh. Mais sauf que... Le mariage n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est pas un acquis. Oui. Il faut s'investir, il faut oui. penser mariage, il faut visionner mariage. Et à un moment donné, j'ai pensé plus à ce que je devais faire, à atteindre mes objectifs et à mettre à l'aise ma famille que j'ai oublié la véritable famille qui était mon mari et ma fille. Mmh. Parce que il y a eu pas mal de choses que j'ai fait de ma famille. restons le, au pays. Oui, la priorité. Oui. Ce qui fait que même avec, après plusieurs euh, euh, interpellation. qui me disait, je ne le voyais dit... pas oui, comme ça. Oui. C tu le voyais comment lorsqu'il t'interpelait je, je le voyais que il ne comprend pas que euh, je ne peux pas être heureuse si ma famille n'est pas, est... okay. pas heureuse. Oui. Et, et là, euh, au lieu de, de mettre les choses à plat, vous dire comment est-ce que on va euh, joindre les deux, le juste milieu, pour que de, que je sois heureuse et que lui aussi et soit bien. Le, le, le soit bien. On n'a pas pu. On n'a pas su les mettre en place. C'est d'où la responsabilité me revient et lui revient aussi sur la différence de culture. Parce que c'est après que j'ai compris que non, j'ai fait 16 ans de vie là, c'est parce que j'aimais ai, et que euh, j'ai compris que euh, c'était mon bonheur, mais je n'ai pas priorisé. D'accord. Est-ce que, es est que du coup, tu, on peut dire que tu as été très égoïste oui, en effet. D'accord. J'étais égoïste. Et selon toi, pourquoi est-ce que la... très souvent les femmes ont ce problème-là quand elles arrivent en Europe et qu'elles sont avec un blanc, elles ont tendance à prioriser la famille et rester au pays. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance-là? Je dirais plutôt que la tendance est par rapport, on est conditionné comme ça. Hmm. On est conditionné parce que quand on est né, on est... La, so... la solidarité est née chez nous. Oui. On est toujours ensemble. On doit toujours aider les autres. Oui. Sauf que nous construisons des, des, des familles euh, qui vont être notre chute de demain. Pourquoi tu dis ça Ils vont être notre chute parce que ce sont des personnes. Euh, je dirais, c'est violent. Oui. <laughs> nous sommes des vaches à lait. Mmh. Moi, j'ai pris que j'étais une vache à lait. Dans la famille, restée au pays te considérait désormais comme une vache Une vache à lait. Chalet, -à parce que euh, c'est toi, tu es très importante pour euh, elle mmh. lorsque tu donnes. Oui. Mais tu donnes au détriment de ta propre vie. Mmh. Ta propre vie, ta vie, c'est quoi C'est ton mariage. Oui. C'est ce que tu mènes ici. Oui. C'est d'abord toi. Attends, je veux poser une question. Pour toi, est-ce que le mariage est plus important que la famille Les frères, les sœurs, la mère, euh, le, le père. Il faut trouver le juste milieu, je dirais. D'abord, ton mariage et tes enfants. D'abord, ton mari et tes enfants. Oui, mais si je joue l'avocat du diable, si ah, oui. ton mari et tes enfants sont les plus importants, et maintenant que le divorce a été consommé. Qu'est-ce qui se passe? Uh, maintenant que le divorce a été consommé, tu comprends donc maintenant que là où moi j'ai fait l'erreur mm -hmm. de ne pas trouver le juste milieu désormais, mm -hmm. je sais que pour un remariage, je dois trouver le juste milieu. Mm -hmm. Ma famille, la famille est une institution compliquée. Oui. Donc, ah, c'est la, la base de, de chaque être humain, quoi. Oui. J'ai besoin de euh, j'ai besoin d'elles, famille, mm -hmm. et elles ont besoin de moi. Oui. Mais il ne faut pas non plus exagérer, mettre sa vie entre parenthèses. J'ai mi, mis la mienne, mm -hmm. puisque même euh, M. D. l'a dit à aux personnes qui l'interrogent que euh, c'était une autre famille qui a beaucoup creusé. Mm. Il le dit, il a dit à beaucoup de ma famille qu'elle ne m'a rien fait, c'est une bonne femme, elle est bien, il y a juste comme les hauts et les bas, mais la famille ne nous a pas aidés. Mm. Est-ce que la famille entend ce discours-là La famille, euh, tu n'as pas besoin de les faire entendre parce qu'ils n'entendent pas. Ah. Et même s'ils euh, ont l'impression, tu as l'impression, oui, ils t'entendent, mais à la fin, non. Les actes ne montrent pas ça. Les comportements ne montrent pas ça. Donc, c'est à toi de mettre les, les, les points sur les i et de te reconditionner. J'ai désorganisé ma tête comme mm. j'étais conditionné et remettre les choses en place. Trouver Le juste milieu des hommes, je m'occupe d'eux, mais je sais là où je m'occupe. Et c'est à quel moment que tu prends conscience de ça que là j'ai je... vraiment fait n'importe quoi? Je prends conscience quand je vois que mon mariage est tombé dans l'eau. C'est après qu'il soit tombé à l'eau, bien c'était avant qu'avant, c'était bien avant que j'ai commencé oui. à voir les, les sonnets d'alarme qu'on me tirait. Que je commence à faire la somme totale des choses. Je dis, ben j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça n'a jamais réussi mm -hmm. avec mon frère. Oui. J'ai fait ceci, j'ai refait cela, ça n'a jamais réussi. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je... fasse fais autrement. Choses, oui. Je regarde les choses. J'ai interpellé plusieurs fois, mais jamais. J'ai dit, si moi-même, je ne passe pas à l'action et je ne mets pas en cadre et les limites, ça ne va pas s'arrêter. Et quand tu mets dans les limites, comment est-ce que la famille le prend C'était compliqué. C'est-à-dire C'était... Hum, je les ai appris à mmh. tout donner. Oui. Il suffit qu'on m'appelle en coup de fil. Action, réaction. Oui. Action, réaction. Western, réa, ce, <laughs> ci, Voilà. Oui. Tout le monde, maladie, deuil, l'école, louer les maisons, payer les lois. Oui, ça ne s'arrêtait pas. Je suis de nature généreuse. Mm. C'est comme ça, c'est né chez moi. Mm. Mais je fais désormais attention. Donc, quand je vois que je, je dis, il va falloir prioriser. C'est quoi? Quelqu'un est malade. Je vérifie. Parce que je me suis fait avoir ah oui. en passant. Vas-y, raconte-moi raconte un peu le truc. Je raconte une petite anecdote. Mon petit frère, il, il est chauffeur, il conduit, il est sur Yaoundé. Mm. Sur la route avant l'entrée de. Vous savez, quand le président de la République. Il doit euh, passer, tout est fermé. Doit, doit passer pour aller. Euh, pour se déplacer. Pour se fermer. déplacer. Oui. C'est fermé. Il me dit, euh, je suis à l'entrée de Yaoundé, le président devait passer pour aller dans son village. Euh, j'ai été heurté parce que la circulation devait être fermée. Et là, euh, on me demande 180 000 francs parce que j'ai abîmé une voiture et autres tout. C'était un truc <laughs> à la con tellement que j'ai commencé à, à cerner un peu. Je dis non, c'est pas trop net. Mm -hmm. Quand le président va passer, je pense qu'on alerte un oui, jour avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le lendemain, vous savez que oui, oui, le président va Même passer. Le matin déjà, tu vois. Voilà. La... Oui, bien sûr. Comment se fait-il que le, le cortège lui a fait bousculer et voilà, il doit payer la voiture, j'ai dit. Hmm. J'appelle un cousin, une cousine, je lui dis, vérifie-moi ceci, ce numéro, appelle, demande-lui comment il va. Hmm. Elle appelle, comment tu vas? Euh, oui. Euh... Oh non, ça va. Nous sommes même à... avec des amis là. Wow. On est en train de picoler. Un ah oui, d'accord. C'était pour avoir des nouvelles. Tu passes. Tu passes quand moi j'ai fait un bon repas là. Tu peux venir manger. Le coup, là. Oh, j'arrive, j'arrive. <laughs> Le gars arrive. Même si pas des pieds. Tout, si va bien. pieds. tout va bien. Wow. Et là, comment je te sens Trahi, mm. humilié, exploité. Je dit, c'est bon. C'était là, à partir de là, c'était les déclic Je lui ai dit, c'est bon. Je l'ai mis en quarantaine pendant deux ans. Wow. Je ne parlais pas. Et il réagit comment lorsque... Euh, lorsque euh, je l'appelle. Donc, je l'appelle quand elle est déjà chez <laughs> ma soeur là, ma meilleure copine là. Je lui dis, quand elle, il est là, dis-le-moi, je l'appelle. Je l'appelle, alors comment? Non, nous sommes même à l'hôpital là, et wow. je cela. Je lui dis, tu dis, arrête. Tu arrêtes. Et immédiatement. Écoute-moi très bien. Entre toi et moi, je pense que c'est bon là, j'arrête tout. On reste frère et soeur, mais oublie-moi pendant deux ans. Et je te dis, sans état d'âme, si tu tentes, tu vas voir, essaye tout simplement. Il se met à jouer, à pleurer. Non, Lily, tu ne peux pas me faire ça. Oui, je sais que ceci, cela, mais voilà, ceci. Il n'a pas compris que c'était déjà vérifié. Je lui dis, passe-moi euh, ma, ma copine. Je mets le, opa, mets le opa là. Et je mets le même langage. Il dit, va dire à maman, parce que c'est elle de son vivant qui était toujours. Il dit, n'oublie pas tes frères et soeurs. Tu dois t'occuper d'eux. C'est toi l'aîné. Et c'est toi qui dois assumer. C'est ça aussi quand on est né. Et né des familles en Afrique, c'est quelque chose. Elle me dit, c'est toi l'aîné, tu dois faire, parmi tes frères et grands frères sont partis, tu es resté l'aîné parce que je ne suis pas né. Aîné, c'est après les décès, quoi. J'ai dis, va dis donc à ta mère que nous sommes cinq. Il y a une qui a désisté, qu'elle compte que sur les quatre autres. Wow. Et c'était comme ça. Bon, là, je suis obligée mettre pause. L'équipe, on se donne rendez-vous juste après la bande d'annonce. Ce 5 octobre 2024, du côté de Space 22 et 6 à Ouagadougou, la maison d'édition Argent Livre vous invite à la troisième édition du Week-end l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs et entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit change en vie c'est l'unité de mesure de la